السلام مرحبا لي زليف دو بروميير اني اليوم باش نبداو اول درس السنه هو لو فينومين ديليكتريزاسيون او ظاهره التكهرب اللي قريناها في النوفيام ان en فيت fait, الدرس هذا مش بعيد برشا على اللي قريناه معناتها في النوفيام في شويه كالكول زايد وكاو فوالا voilà. نبداو بالحاجات اللي قريناهم في النوفيام اللي هما 3 مود ديليكتريزاسيون خذينا باش ناخذوا المود الاولاني خذينا ريغل او ماتير بلاستيك ان افروتي وقربنا منهم كالعاده شويه دو كالك مورسو دو بابيي un corps frotté capable d'attirer des corps légers. On dit que le corps électrisé ou chargé d'électricité, donc on a l'électrisation électrisation par frottement, donc électrisation, électrisation par frottement, d'accord? le mode un corps non électrisé, le le plastique, voyez, frotté, mais j'aime les petits morceaux de papier.

et tige heavy en verre, électrisée. neutre. Est plutôt le, le, le pendule, heavy elle est neutre, mais la tige, elle est électrisée. contact que Elle est la est électrisée. Donc, quand un corps électrisé A touche un corps non électrisé B, le corps B s'électrise. On constate alors que a et b se repoussent. C'est euh, euh, ce qu'on appelle électrisation par contact. En fait, l'électrisation par contact, elle le aux kif kif. C'est clair. Il y a Le mode self. Les hauts à l'influence. On un appareil, qui s'appelle électroscope. Donc, je fais électroscope. un plateau métallique, un isolant, des feuilles métalliques très fines, tiges métalliques et cadre en vert. Ce qu'on a fait, règle en plastique électrisé. Quand on l'a rapproché de la les deux feuilles sont à la les la Vous voyez, ici, elles étaient restées envers les autres et ici, elles sont restées envers les autres. Ce qui signifie qu'il y a électrisation. Donc, la répulsion entre la tige et l'aiguille montre que les propriétés de l'électroscope ont changé. On dit que l'électroscope est devenu électrisé par un flux donc, voilà les trois modes d'électrisation. Électrisation par frottement, électrisation par contact et électrisation par influence. C'est clair Alors, nous les avons déjà écrits dans le neuvième. nous Les deux types de charges électriques. Donc, ici, nous avons deux règles en ébonite. Une est frottée et l'autre électrisée. Donc, nous les avons écrits les unes Par contre, houni l'ébonite vert le ouvert ouvert badou à la donc qu'en coulant on anna, répulsion. Anna, attra, attraction c'est clair il s'en choufou allèche donc vis-à-vis -vis du verre électrisé par frottement avec la laine les corps électrisés présentent deux comportements par convention les deux corps électrisés qui poussent le verre électrisé portent des charges électriques positives et les corps qui attirent le verre électrisé portent des charges électriques négatives. Ou, maintenant, on a que verre électrisé a des D'accord Voilà. Donc, les corps, le verre électrisé porte des charges illég... positives. Et les bonites électrisées portent des charges électriques négatives. n'importe quel corps. N'importe quel corps. A. Ah. le verre. D'accord. Quelle est attraction? Madame un mot positif. Madame attraction. a négatif. Look, tire répulsion? positive. positif. D'accord. Donc le vert dima positif. Je le vert positif. C'est Le porte des charges électriques positives. Mais en cas général, deux corps chargés d'électricité de même signe se repoussent et deux corps chargés d'électricité de signe contraire s'attirent. Kif kif, ils se repoussent, mais ils s'attirent. Il y de a khedina. Khedina un pot de chat. وعندنا أه كعبة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة كعبات كيف كيف نيجاتيف اش معناتها معناتها راهو نوتخ هكا قد البوزيتيف قدر نيجاتيف إذا نشوفوا الباتون دي بونيت فيه كعبة اثنين ثلاثة أربعة بوزيتيف وأربعة نيجاتيف شنو معناها معناتها حتى الباتون إلي نوتخ جينا عملنا عملنا فخوتمون اونتخ لو باتون إي لو دو شا شنو نلاحظ لاحظ انه السيد هذا شو ولا عنده؟ كعبة اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة قعدوا هما بيدهم بوزيتيف، أما النيجاتيف نقص. دونك، وهذا زاد النيجاتيف نتاعو، وذاك علاش نقولوا ديما لي بونيت إي وبعد الفخوتمون، البو دو شا سورا شارجي قداش من كعبة مشات؟ احنا كان عندنا ستة، دونك مشاو ثلاثة كعبات نيجا نيجاتيف، داكوغ؟ دونك، الكو شارج الكو هي شارج شارج متاع السيد هذا قداش ما ولا بوزيتيف ولا وخسر ثلاثة ولا هكا ولا معناتها هذه باش تقتل هذه وهذه باش تقتل هذه وهذه باش تقتل هذه اش لي ثلاثة بوزيتيف دونك 3 فوا او وهذا هذه باش تقتل هذه وهذه تقتل هذه هذه تقتل هذه وهذه تقتل هذه اش قاعد لي ثلاثة نيجاتيف دونك الكو نتاعنا هي 3 فوا Eu, donc, ici, le « kum » signifie « négatif » ou le « kum » signifie « positif ». C'est clair Donc, ici, c'est pour dire qu'il y un transfert d'électrons. Donc, ici, on dit qu'il y a un transfert d'électrons entre le pot de chat et le bâton d'ébonite. Donc, la matière enferme deux types de charges électriques. Les gagne gagnent quelques électrons, Il possède un excès d'électrons. Madame a un excès d'électronettes, charge négative. Donc, un excès d'électrons, donc sa charge globale devient négative, donc Q négative. Par contre, le tissu de chat a perdu des électrons, il possède donc un, dé, un défaut, donc deux mesures donc, elle devient positive, sa charge. Donc, si la charge est négative, nous avons un excès d'électrons. Ou si la charge elle est positive, nous avons un défaut d'électrons. Très bien, et là on passe. Donc, le phénomène d'électrisation est dû à un transfert de particules chargées d'électricité négative, appelées électrons, d'un corps à un autre. D'accord, donc l'électrisation, c'est quoi C'est un transfert d'électrons, de particules chargées d'électricité négative ou bien électrons. Un corps est dit électriquement neutre s'il contient deux quantités égales d'électricité positive et négative, maintenant autant de charges positives que charges négatives, avec neutre Par contre, le corps chargé positivement a un positif et de négatif. mais négatif, maintenant

Chaque, chaque électron porte une charge négative. Donc, Q égale à moins E égale à moins 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs. C'est clair. Donc, Kanerba, c'est Bishirba, des charges négatives des électrons. Ou Kanersar, Bishirser, des charges électriques négatives. Voilà. Et choses, le conducteur isolant. Le conducteur. Ou elle laisse facilement passer, ou bien circuler les électrons. Elle l'a dit. لي زلكترون خير مرتاح يتسمى كونجيكتور واللي ما عديش يتسمى ايزولون هادوما حاجه دونك ناقل والعازل داكوغ الناقل هو اللي يعدي لي زلكترون فاسيلمون والعازل هو اللي ما يخليش لي زلكترون يتعداو سيكليغ هاكا نكونو كملنا درسنا الاولاني في الفيديو الجاي شوفو بلان ديكزيرسيس على الفينومين ديليكتريزاسيون فوالا ميرسي بوغ فوتر اتونسيون اي الى فيديو بروشين